avait durant la matinée Monsieur Kotabe qui nous racontait son parcours. Et donc l'après-midi, on a eu un exercice en lien avec le character design et donc la recherche voilà, de personnages et comment les mettre en scène et leur donner, disons, une présence. Et en l'occurrence, à partir du fait de manger, en fait, donc une action très simple, et comment réussir à partir d'une action aussi simple d'exprimer, le caractère de la personne, en fait, ce qu'elle ressent, et lui donner une présence. Et du coup, pour la scène... Tout au long de ces masterclass, il avait vraiment une façon de s'exprimer et de s'adresser à nous qui était assez forte. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est une personne qui me fait comprendre l'ampleur du travail de Takahata et de Miyazaki, et qui me fait comprendre même l'animation japonaise et la portée, l'ambition qu'ils ont eue à leur époque. Quelque chose qui m'a marqué, c'est la façon dont il arrive à flipper une pile de dessins, alors que nous-mêmes, avec la tech bar, on a un peu du mal. C'est anecdotique encore, mais ça fait un peu le petit geste du maître, des années d'expérience. Il faut bien relier les phases. Bien ce que vous voulez aller, donc allez-y, boulot, ouais. Allez-y, oh oui, avancez. Merci. Viewing some of the films again after having seen them some time ago, but now with a different perspective, with a different knowledge about the production process and about the work of Kotabe-san. For example, The Little Prince with the Eight-Headed Dragon. I had seen it a long time ago, but it was great to review it and to see the context and, you know, how he worked on it and what the context was. On a appris beaucoup de choses également en termes de character design, en termes d'animation. Voilà, ça m'a redonné aussi confiance en mes propres dessins. France と日本が仲良くなれますように乾杯したいと思います。じゃあ、杯。